Eko tatola makita suka ya bomoi na motwe oh oh liwa Eko panzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango ba misaka te soki moto na nakupite Oto yebite basekele nyonso ekobima yango baloba loba kate soki moto nana kufite Oto yebite basekele nyonso ekobima Ola makita suka ya bomoi na motwe oh oh liwa eko panzaka Basse kele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango ba misaka te soki moto nana kufite Oto yebite basse kele nyonso ye kobima yango baloba loba kate soki moto nana kufite Oto yebite basse kele nyonso ye kobima oh liwa Eye bimongote, eye biba pokwete, eye biba balante. Ezala ki na voix moko très puissant sur la terre. Ezala ki na mwana na elinga ki mingi. Kombo na ezaki re soleil. Alika ki ete soki akufi. Basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango ba misaka te soki moto nana kufite Oto yebite basekele nyonso ye kobima yango baloba loba kate soki moto nana kufite Oto yebite basekele nyonso ye kobima oh liwa Eye bimbongote, eye biba pokwete, eye biba balante. Ezala ki na voix moko très puissant sur la terre. Azala ki na mwana na elinga ki mingi. Kombo na ezaki re soleil. Alika ki ete soki akufi. Basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango ba misaka te soki moto nana kufite Oto yebite basekele nyonso ye kobima yango baloba loba kate soki moto nana kufite Oto yebite basekele nyonso ye kobima oh liwa Eye bimbongote, eye biba pokwete, eye biba balante. Costa Fiso, Papa Antoine,
Vous dites quand vous dites professeur, il répond qu'il répond, papa. Professeur, ah non, papa, s'il te plaît, fais pas ça. Papa, il faut te fusquer dans la poche. Oui, papa, papa, je te demande pardon. Papa, papa, tu peux pas me faire ça, papa, non. Papa, je te reconnais pas, tu peux pas me faire ça. Papa, s'il te plaît, papa, papa. Je vais juger sur les mains. Je ne veux pas s'il te plaît. Papa, s'il te plaît, papa, tu ne sais pas comment lève comme ça. Que je le parle à l'oreille. Papa, papa, c'est Vicky. Papa, c'est Vicky, papa, je suis là. Papa, tu ne fais pas ça, papa. Non, papa, ne me fais pas ça, je t'en prie. Papa, papa Rémi, quand l'on bloque, papa, non, ça
Laissez-moi parler à papa. Laissez-moi parler à mon papa. Papa, c'est mon bébé. Papa, tu vas pas te laisser. Je vais rester avec papa. Thank you.
elle salue les ouvriers, camarades étudiantes, camarades étudiants. Le premièrement, le mot du doyen de la faculté, le mot du président de l'association des professeurs. Après le témoignage, je viendrai à l'oraison qui est sans plus tarder, question pour ce mot. Mesdames et messieurs du club académique Espoir Fouamba, qui n'a voulu un seul instant abandonner la crainte de Mandarin. Tenu par la main, par un des sourds, j'ai mon intérêt du complexe et du prétexte. Je suis assez ici. Le corps académique de la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation a cherché les moyens de travail qui nuiraient davantage à sa santé. Et que sa prime possible et son salaire lui seraient garantis. Argumenté que le professeur Antoine Lubamba balayait d'un revers de la main. Monsieur le professeur Antoine Lubamba Fouamba, si ton auditoire suivi vos enseignements ont éprouvé une grande tristesse. Monsieur le directeur, monsieur le membre du comité des camarades étudiants, le professeur Okasayo Yanka, il a réalisé ses études en 1952 et ses études secondaires à l'école normale de Guilaine Saint-Jacques. Lettres d'histoire linguistique africaine, avec mention grande distinction. Candidature de l'éminent professeur Antoine Lubamba Fouamba, nous nous sommes posé mille et une questions. Quels sont les mots véritablement concis et précis que nous pouvons utiliser pour manifester notre attachement à l'illustre disparu, vide que le professeur Lubamba laisse dans nos cœurs, dans le cœur de tout un chacun. Qu'à cela ne tienne, nous pouvons retenir quelques mots en guise de reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour nous. De prime abord, nous voulons simplement vous dire, monsieur de la salle, que lorsque nous nous retrouvons à Kisangani pour la première fois, pour besoin d'embrasser la carrière estudiantine, nous avons rencontré deux savants congolais. Deux savants congolais qui nous ont convaincus de la lourdeur et de la précision du savoir à travers ce qu'il nous disait. Je me garderai, n'est-ce pas, de citer les noms, parce que ce n'est pas l'occasion appropriée. Mais ces savants nous ont pratiquement décidé de devenir comme eux. Nous avons pris toute notre attention et tous les pouvoirs qui étaient les nôtres pour dire il fallait finir par devenir savant comme ce qui était devant nous. Malheureusement, pour nous, nous étions infiniment petits, à côté ou en face de montagnes qu'on ne pouvait pas approcher. Mais nous nous sommes dit qu'on ne pouvait pas se résigner. Voilà, les jours passent, on continue à rencontrer les savants. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer les savants Lubamba Fouamba, Antoine Lubamba Fouamba. J'étais petit. Effectivement, j'étais petit devant lui. Non pas parce que j'avais une petite taille, mais en tout et pour tout, j'étais vraiment le petit par rapport à lui. J'entre dans l'effort de sa connaissance. C'est là que je vais découvrir beaucoup de vertus qu'il incarnait. Et je voudrais ici vous faire mention de quelques vertus, mention de l'héritage qu'il nous laisse. Qu'est-ce que nous pouvons retenir d'Antoine Lubamba Fouamba? Je retiens de lui la bravoure et le courage.
ces deux éléments à deux occasions. La première occasion, c'est quand il quitte l'Europe, là où il a préparé la thèse, pour venir la défendre à l'université de Kisangani. Beaucoup d'entre nous auraient même décidé de dire « Je défends la... » Mais lui, il est parti de l'Europe où il a préparé la thèse pour venir la défendre à Kisangani. C'était une première vertu que je n'avais pas encore réalisée. La deuxième vertu que je retiens du professeur Lubamba Fanda Antoine, c'est qu'au moment où la guerre de libération arrive, nous sommes tous, nous, esprits faibles à Kisangani, nous sommes tous amenés à quitter la ville pour se réfugier en dehors de Kisangani. À ce moment-là, il était doyen de la faculté. Je vais lui demander une autorisation de sortie. Il me l'accorde en disant « Petit, moi je reste ici. Prends-vous et le courage. » C'est quelqu'un qui ne savait pas refuser et reculer qu'il a décidé d'exécuter. Qu'est-ce que je peux encore retenir du professeur Antoine Lubamba Fanga? C'est que c'est quelqu'un qui avait l'amour du travail, travail bien fait. Et parce qu'il avait cet amour du travail bien fait, il a été exigeant avec moi quand j'ai préparé la thèse sous sa direction. Et je crois que dans la salle, il y a plusieurs personnes qui ont suivi également mes traces et qui ont pu réaliser ce que voulait le professeur Antoine Lubamba Fanga. Le président du jury demandait ici. Là, il est tantôt le président du jury de ma thèse de doctorat. Et je vous informe que l'idée de la thèse est née dans sa famille. Quand je suis venu les visiter, je trouve sa femme qui a exposé les arachides du soleil. Je lui pose la question, « Maman, où est-ce que tu as eu ça ?» Il dit non, dans mon petit champ ici. Devant mon étonnement, la maman, « Si tu es un proverbe de son nom, on va aller dans toi. » Sur place, j'étais ébloui et j'ai pinoté. L'idée de la thèse est née ce jour-là, dans sa passion. C'est que sur le plan scientifique, ma vie est très attachée à sa personne. Sur le plan social, nous l'appelions Papa Bravo. Bravo pourquoi? Quand il quitte la faculté, il a les poches remplies de bonbons. Dès qu'il arrive au guest, derrière lui, c'est une masse d'enfants. Jusque chez lui à la maison. Papa bravo, papa bravo. Ça, c'est chaque jour. Et sur le plan de la vie pratique, moi, je ne connais pas les défauts de cet homme. D'habitude, nous, les songes, on me reproche que les songes sont des histoires. Les songes sont des poèmes de Gimon. Mais l'homme qui s'en va, je ne l'ai jamais vu avec une belle tête. Et je ne l'ai jamais vu nulle part. Pour preuve, il a eu 11 enfants de sa femme, et les 11 enfants sont ici. Il y a deux licenciés en droit, il y a deux licenciés en sciences politiques administratives, il y a un qui est gradué en sciences infirmières, et un seul qui n'a pas voulu étudier, qui est ici. Voilà ce que c'est. Merci. Professeur Docteur Clémence Kassinga. Monsieur l'administrateur du plus des professeurs, Monsieur le chef de département, Mesdemoiselles et Messieurs, du chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos qualités et titres respectifs, encore une fois, l'UPN vient d'inscrire sur son palmarès funèbre un nom et non de moindre. Il s'agit de Monsieur le professeur Antoine Lubamba Fanga, que nous pleurons ce jour
emporté par la mort en date du 1er mars 2015. Cette mort, à l'instar d'autres par le passé, cause une fois de plus un préjudice difficilement réparable dans ce sens qu'elle nous arrache une unité qui ne peut être automatiquement remplacée au cours d'une année académique, surtout celle en cours. D'un professeur ordinaire qui vient de nous quitter. Cette catégorie s'amenuise comme une peau de chagrin. Doctorant, membre du personnel scientifique qu'elle encadre au point d'administrer des coups brusques aux plans de recherche de bon nombre d'entre eux. Feu le professeur Antoine Lubamba Fwamba l'a été au regard de son riche curriculum vitae qui nous a été lu tout à l'heure par les doyens de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Sa voix est désormais inaudible dans les auditoires, dans des salles de cours, par ses étudiants. Sa chère épouse et ses chers enfants porteront en eux un lointain souvenir de cet homme pétri, de haut savoir vers lequel courent les apprenants et tous ceux qui en voulaient ou qui voulaient en savoir davantage dans le domaine de sa spécialisation qui fut la sienne. Quel gâchis! Oui, la mort a des rigueurs à nul autre pareil. Elle décide. Nous nous inclinons et exécutons sans broncher ces macabres ordres sans en injecter la sentence, pour reprendre ou paraphraser le discours des juristes. La culture et votre département d'origine permettent aux PN de garder vos soeurs à l'échelle. Que la terre de vos ancêtres vous reçoive bientôt comme dernière de mer et que nous soyons.